De 1869 à 1875, sous Chen Baojian en tant que ministre des Affaires navales pour la mer du Sud, le chantier naval de Fuzhou a produit 16 navires, des navires de guerre et de transport, totalisant 14 000 tonnes. Sur la même période, l'Académie navale a formé 93 officiers diplômés et ingénieurs qui allaient bientôt équiper et commander ces mêmes navires aux côtés desquels ils avaient grandi.船政学堂就是开启了很多个第一。第一个，中国开始有自己的系统的造船技术的培训学校了。第一个海军学校从这里诞生了。第一个西式教育被国家承认的西式教育就是冠冕堂皇，我们可以这么正正式式的来做了。李鸿章说过一句话，说是闽堂，就是船政学堂的后学堂，海军学校，说是闽堂是开山之祖，用了这么一个词来形容他在中国海军教育上的地位。